Yo tout le monde, c'est Tritonio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Voilà, un petit escape game sur Fortnite, comme vous l'avez vu sur le titre. C'est un escape game apparemment sur un bateau pirate. Il faudrait sauver un équipage qui a été capturé ou je sais pas quoi. En tout cas on verra bien. Je lance la... Voilà, c'est bon, elle est lancée. Voilà, voilà, voilà. Allez, c'est parti. Alors... Bon, on va pas se mentir, je sais pas lire l'anglais. Alors, donc là on a une faille qu'on peut pas prendre. Là on peut regarder dans le télescope. Mais non. Pourquoi on a regardé en fait? D'accord, très bien. Donc il y a des zombies. Ah mais on peut pas passer. Donc je suppose qu'il faut prendre la faille. Oh no, the boat is rowing. I need to take the prisoner and escape before. Ok, donc en gros, y a de l'eau qui rentre dans le bateau, donc il faut sauver les prisonniers et partir du bateau. Avant que l'eau, du coup, rentre complètement dans le bateau. Donc on va avancer tranquillement. On va quand même regarder ce qui... Ok, c'est verrouillé là. Ah, y a des prisonniers là. Par contre, la porte est verrouillée. Ah, on peut lui parler. Please find a way to save us, there should be okay somewhere. Ok d'accord, on doit trouver un moyen de les sauver et apparemment quelque part il y a une clé, donc on va la chercher. Après là il y a encore quelqu'un, ça doit être encore un prisonnier. Et donc il y a une clé quelque part. Donc on va chercher un petit peu, on va retourner en arrière et on va chercher un petit peu voilà aux petites armoires, les petits trucs comme ça. Je pense qu'il y a une clé quelque part qu'on peut trouver et qu'on peut ramasser. On peut pas parler aux autres non plus. Y a pas de clé dans le seau. On peut pas rentrer là. Non. Ah, on peut passer. Oh. Ah bah à mon avis c'est là. Hein. Open the doors. Ah. D'accord, donc c'était pas. Ok, en fait la clé c'est un bouton qui fait ouvrir les cellules. Et ben voilà. Save. On en a sauvé un. On en a sauvé deux. Et on en a sauvé trois. Bah c'est super. Imaginez là c'est fini là. On a fini, on les a sauvés. Qu'est-ce que... Ah oui, d'accord, c'est ouvert là maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres prisonniers? C'est ça la question. Ah, on peut ouvrir ici. On parle au nounours. I lost my bag of gold. Find it and I give you the key. J'ai pas réussi à lire la suite. Mais en gros, faut lui trouver un objet qu'il avait. Je sais plus c'était quoi. Bon. Ok, on sait qu'il y a un bouton là. Déjà. Il a perdu un objet. Je sais plus c'était quoi. Et si on l'y retrouve, il va nous donner la clé de je sais pas quoi. Ici. Ah oui, c'est vrai que c'est verrouillé ici. Oh non, me dites pas qu'il faut retourner en arrière. Bon les gars, j'ai dû aller voir sur YouTube parce que ça faisait vraiment quand même pas mal de temps que j'étais bloqué. Peut-être sur le timer on verra, je sais pas, 10 minutes, mais dans tous les cas c'est passé lentement pour moi et bah, c'était pas amusant quoi. Je cherchais comme ça, je cherchais un truc, j'étais même pas sûr qu'il était là genre. Donc j'ai préféré regarder sur YouTube et donc c'était là, c'est vraiment super discret. Et puis voilà, je trouvais que ça servait à rien de chercher comme ça en boucle. Et pour avancer dans l'escape game, voilà. Mais ce sera la seule fois que je le ferai, mais bon là c'était pas intéressant quoi. Bon, enfin bref. Merci, le bouton est quelque part dans cette pièce. Donc le bouton on l'avait trouvé, il est là. Ouvrir les portes, enfin la porte. Et du coup la porte c'est celle qui était en face d'ici là-bas. Et donc je suppose que c'est une porte pour monter encore plus haut là. Bah pour monter tout en haut du bateau quoi. Enfin j'espère. Bon, j'ai clairement vu qu'on pouvait passer là. Quoique. J'en sais rien, mais on va quand même fouiller. Ah quoique ban. Ah bah si. Ouais, ça me paraissait un peu logique. Après, c'est quoi? Ah, ok, c'est ouvrir la porte. Ok, donc on... Bah, je pensais qu'on pouvait y passer, moi, du coup. Ah!
Voilà, toujours regarder au plafond maintenant du coup. Bah. Ah oui, mais est-ce que du coup faut faire ça? Oui. Parfait ça. Mais je suis nul. Voilà. Après, on continue. Ah là, c'est le capitaine là. C'est le capitaine du bateau. Là, c'est fermé. Là, c'est fermé. Et là, c'est fermé. Super. On est super bien quoi. Là, à travers ici. On va regarder en haut. Ok, il n'y a pas de passage. Un livre comme dans les films. Bibliothèque qui se déplace, non? Qu'est-ce qui vient de se passer? Il y a un truc qui s'est cassé. On est d'accord. Je sais rien, moi. Bon bah, on a trouvé V. Wouah, quoi? C'est ça le bruit qu'on avait entendu en fait. Wouah, non mais d'accord. Ah ouais. Ah ouais, il est comme ça le type. Oh, fine gold. Voilà. Oh! J'ai trouvé. Oui! Oh, on est dehors! Oh, de la lumière! Mais qu'est-ce que ça fait du bien! De la lumière! Après. On va chercher. Ah, ici c'est ouvert. Il y a un Bobby. Je peux ouvrir la faille si tu me donnes 10 bois, 10 briques et du métal. Ok. Ok, j'espère. Ah, mais ça. Ok, en fait, c'est là les portes verrouillées. Je me disais, on a encore plein de trucs à faire, mais ça va, ça va. Bon, bah écoutez, on va. Attends, attendez, attendez. Oui, 10 de bois. Parfait, ça. Oh, 10 de briques! Oui! Allez, espérons que les 10 de métal soient quelque part ici aussi. Je vais encore essayer sous les escaliers. Ouais, mais. Ah, oh, là! Oh oui! Oh oui, yes! Ah, oh, thank you, here is the rift. Alors, let's go back home on this. Oh no! Oh no! On this radeau. Et pourquoi non, je. Oh no, there must be a way to kill this monster. Bah, un moyen de tuer tous ces monstres, bah, à la pioche. De toute façon, oh, donc. Regardez, c'est faible là, ils peuvent pas me taper. Voilà, moi je me prends mon petit bouclier là, tranquille. Voilà, je suis full shield. Ah bah, ça là. Mais j'y croyais trop. Un truc comme ça, ça ne peut pas passer inaperçu, voyons. Ah, mais on peut aller là depuis le début. On peut aller là depuis le début, d'accord? Bah, est-ce qu'il faudrait pas juste aller là où il y a de la lumière? Voilà. Bah, de toute façon, on s'en fout, non? Ça tue pas. Ah! Cut off electricity. Oh oui! Oui, on a coupé le courant. Du coup, le truc il marche plus et on peut passer. Wow, c'est quoi cette pièce? Ça a l'air un petit peu suspect, genre je sais pas. Non, même pas un petit peu. Monster can survive again. Activate the generator. There are two generators in this house and one somewhere outside. Bon, en fait, je sais où ils sont les générateurs. À force de me balader, forcément, ben, c'est ce que j'ai vu en premier quoi. Il y en a un là. Nickel, qu'est-ce que ça va faire du coup? Oui, ça les a éliminés. Et... bah, il en reste un là. I killed them. I think it's time to go home. Alors, c'est très cool, mais c'est où chez moi? Ah, c'est là. C'est très très sympathique. GG, you made it. Oui, on l'a fait. Wouah! Alors, j'ai pas bien compris l'histoire de cet escape game, mais il était quand même sympa en vrai.
C'est pas le meilleur que j'ai fait parce que j'avoue que c'était un petit peu ennuyant quand il fallait chercher. Genre juste chercher et rien faire d'autre, ni rien, il n'y avait pas d'énigmes. Mais c'était quand même très cool à faire, je trouve. J'ai bien aimé le faire, c'était très cool. Moi j'espère que ça vous a plu. On en refera de temps en temps des escape games quand je verrai qu'il y en a de nouveaux qui sortent. Je vous en ferai et tout. Il y a bientôt une vidéo IRL qui arrive sur la chaîne. Ça sera peut-être pas la prochaine, mais en tout cas, il y en a bientôt une qui arrive. Je vous dis pas ce que c'est, hein. Mais voilà, il y en a bientôt une qui arrive. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.